Ce mercredi 30 novembre dans Le Meilleur Pâtissier 2022 diffusé sur M6, Adelina a quitté l'aventure après 13 semaines de compétition. Pour Télé Loisirs, la candidate belge réagit à son élimination aux portes de la finale. Oui, Jean, Franklin, Sébastien, Cléo. Semaine après semaine, les candidats du meilleur pâtissier 2022 ont quitté la célèbre tente du concours. Dans l'épisode diffusé ce mercredi 30 novembre sur M6, la dernière étape avant la grande finale, les pâtissiers amateurs encore en lice pour le tant convoité titre de meilleur pâtissier se sont concentrés à réaliser des gâteaux autour du thème jeu d'enfants. Si les propositions devaient rappeler l'univers de l'enfance, pas question de se montrer brouillon. Entre boudoir, palais breton, cookies, la création d'un gâteau domino et d'un carrousel grandiose, la soirée n'a pas été une partie de plaisir pour tout le monde. Sinif, Manon et son tendre Benjamin se sont qualifiés pour l'ultime étape de la compétition. Adelina, qui a trouvé l'amour sur le programme, a quitté l'aventure. Pour Télé Loisirs, elle réagit à son élimination. J'ai été prise par le stress. Télé Loisirs, vous avez quitté le concours aux portes de la finale. Quel est votre sentiment au moment de quitter la tente? Adelina, je suis très triste. Quand on comprend que si est-ce terminé, si est-ce difficile. Surtout quand l'élimination arrive juste avant la finale. Même si à ce niveau du jeu ça se joue dans un mouchoir de poche, lorsque Marie Portolano, Cyril Lignac et Mercotte arrivent pour annoncer les noms des finalistes, je savais déjà que je ne faisais pas partie. Pour quelle raison aviez-vous ce sentiment? Sur l'épreuve de Cyril Lignac, j'ai commencé par un flop. Pour le coup, je ne m'y attendais pas et j'étais un peu déçu. Mon gâteau était bon mais un peu hors sujet visiblement. Ils auraient préféré une pâte sablée pour mon biscuit nantais au chocolat. Ensuite, je suis dernière à l'épreuve technique de Mercotte. Difficile après de tout renverser lors de la dernière épreuve. Si est-ce un peu déstabilisant comme situation, que vous a-t-il manqué pour parvenir à décrocher votre place en finale? Je crois que j'ai été prise par le stress. Sous la tente, ce jour-là, il faisait au moins 50 degrés Celsius. Tout fondait, je n'arrivais plus à réfléchir, à être logique dans ce que je réalisais. Par ailleurs, depuis quelques semaines, je sentais que si moi j'étais satisfaite de mes gâteaux, les juges n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Si est-il un peu déstabilisant comme situation. Ajoutez à tout cela, la fatigue. Voilà, si j'avais mieux géré mes émotions, peut-être que j'aurais atteint la finale. Je pense que j'avais le niveau. Ce mercredi, Cyril Lignac a été très élogieux avec votre premier riolet. Vous le réalisez désormais vous-même ou continuez à l'acheter en grande surface? Il faut savoir que pour moi, le riolet est une véritable madeleine de Proust. Ma mère achetait toujours le même et je continue à le manger, encore aujourd'hui. Mais, je vais bientôt en refaire un moi-même car je reprends toutes mes réalisations du meilleur pâtissier pour y ajouter les conseils des chefs que j'ai reçus durant le concours. Les défis de Mercotte? Un véritable enfer. Comment avez-vous vécu les épreuves de Mercotte? Franchement, très mal. Je ne prenais aucun plaisir à faire les épreuves de Mercotte. C'était vraiment très compliqué, un véritable enfer.
Dès que le défi commençait, je ne voulais qu'une seule chose, que ce soit terminé et que ma sentence tombe. Si est-il votre pire souvenir? Oui, surtout l'épreuve du gâteau bateau et la Jurassic Tart. En plus on avançait dans le jeu, plus les mots manquaient dans les recettes. Pour la Sagrada Familia, par exemple, les ingrédients étaient inscrits en espagnol. Avec le stress du moment, j'étais déstabilisé. Au contraire, quel a été votre meilleur souvenir pâtissier durant le concours? Sans hésitation, le trompe-l'œil de la casserole. Je me souviens encore de la réaction de Cyril Lignac. Il avait été enchanté par ma proposition. Mais je me dois de citer aussi celui des moules frites, car j'ai rendu un bel hommage à ma Belgique. J'en étais fier. Qui redoutiez-vous le plus ces dernières semaines? Manon est vraiment redoutable. La preuve, elle a décroché 5 tabliers bleus de suite. Mais sur la fin de mon aventure, je cherchais à faire mieux que Nice. À lire aussi, je regrette un peu cette période, Mercotte se confie sur son petit regret concernant le meilleur pâtissier.